Et salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans The Legend of Zelda, Skyward Sword. La légende de Zelda, l'épée céleste, je crois. L'épée du gardien céleste, on s'en fout! Donc on est où déjà? Le chantier naval, oui, le chantier naval, je ne me rappelais plus du nom. Et ben, on va y aller, hein. Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, je m'étais fait, pendant la semaine où j'étais en vacances, j'ai fait genre sa merde d'avance. Maître, nous sommes arrivés à la partie centrale du chantier là-bas. D'accord. C'est bien, c'est accueillant et tout. Il y a des grappins. Non, ne dis pas qu'on va jouer aux grappins. Avec le temps, les installations ont été recouvertes de sable. Je vous recommande de fouiller dans le sable pour trouver des indices sur le navire. Dis-moi pas qu'on va jouer aux grappins. Toi t'es cassé. Et j'ai pas trop envie de fouiller dans le sable. J'ai un peu l'impression que je vais me faire attaquer, mais bon. Des rubis. Des rubis. Ok, ça pue, hein. ça ne me dit rien qui vaille. Oh, sans blague! Ah, c'est ça, mets-toi dans l'autre sens! Non, faut utiliser la fronde. J'ai pas assez de graines quoi. Oh merde. Et comment je fais sans graines? J'ai plus de graines, comment je fais? Vous êtes mignon, moi j'ai plus de graines moi. D'accord, ça marche comme ça quand même. Raté ! Ah ah ! Et alors ? Qui souffre ? Tu souffres ! Complètement décentré. Vous êtes combien dans la famille, les mecs? Sérieux? Vous êtes combien? Yeah. Aïe 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 aïe.
Tiens, ça fait deux fois, bitches. J'espère que t'es vraiment mort. Parce que j'en ai marre un peu de te tuer, en fait. Ah, des cœurs! Laisse-moi prendre les cœurs. Maître, il semble que cette installation a longtemps été un repère de monstres. Sans blague. Vos chances de trouver des indices sur le navire dans cette zone sont extrêmement faibles. Merci. Merci, Faye. Tu m'aides une aide... Tu m'aides une aide, déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Oh, un rugby bleu. J'aime bien les rugby bleus. Attends, mais... Allez, cœur, j'ai pas l'impression de me faire niquer, là. Ouais. Alors, deux secondes, hein, parce que là, du coup... Du coup, c'est un peu le bordel. Du coup, tu vas me raconter quoi, toi, là-bas, si je te reparle? Le navire n'était pas ici. Dommage. Yarr. C'est pas très attrayant, mais il nous reste à explorer le repère des pirates qui ont volé mon navire. Lol. Allez, on embarque dès que tu es prêt. Lol. Ouais. Bon, allez. Allons-y! On largue les amarres. Yarr! Oui, je me repère toujours un petit peu à la Solus parce que c'est vrai que là, bah, il nous explique rien en fait dans le jeu, donc c'est un peu chiant. Ouh, j'ai un peu peur, lol. Le chef des pirates est un androïde très costaud qui a des hordes de sbires sous ses ordres, MDR. Je préférerais éviter de le rencontrer à nouveau, mais il le faut pour mon navire. MDR, lol, XD. Ouais. La marque croix, tandis qu'il a la position du repère des pirates. En même temps, il y a que là qu'on n'est pas allé. Assemble ton courage, Moussaillon. On largue les amarres, lol. Mais d'abord, je suis pas gouré, c'est bien. Ouais. Ah, alors c'est d'accord, ok. Chantez! Non mais chantez! Chantez! Le repère pirate. Oh mon dieu. Est-ce que c'est les mêmes pirates que dans Rayman 2? Oh, c'est dans Rayman 2 ou dans Rayman 3? Je ne sais plus. C'est Rayman 2, je crois. Ouh, c'est vraiment pas très engageant. Lol, comme ta femme, MDR. Mais y'a rien à craindre en fin de compte. Ils doivent tous être morts, pas vrai? Lol. Tout le monde n'a pas la chance de se balader avec un chronolithe, MDR. Alors pas de quoi s'inquiéter, allez-y, pars à la recherche de mon navire, Moussaillon. Yarr! Je t'attendrai ici, juste là. Sinon je me désactive, lol. Ok, le repère des pirates qui est plutôt pas... D'accord, il y a... Ok. Des gros trous dans le repère des pirates. Oui. Oh putain! Mais... Laisse-moi tranquille! Non, je voulais pas mettre un coup d'épée, je voulais éclater les... Ah, c'est trop stressant ce truc-là.
putain. Vous avez obtenu une gélatibule, cet objet n'est pas particulièrement agréable à regarder, et mais ses propriétés uniques en font un matériau précieux. Est-ce que je peux tuer le dernier blob? Non. Évidemment. 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 Putain, j'ai perdu 3 coeurs dans l'histoire. Quoi. Oh, bonjour. On va peut-être pas y aller tout de suite. J'ai oublié de faire des pas de côté, hein, mais... Tu pensais m'avoir dans le dos? Merde, toi, tu pensais m'avoir tout court? Je vais passer là, j'ai essayé d'aggro toutes les chauves-souris. Elles sont électriques en plus, les putes. Ah, c'est génial! Genre comme si c'était pas assez chiant, c'est des ennemis volants et électriques. Ouais, t'as raison. Tant qu'à faire. Je suis mort. Y'a rien. Alors, si je ne m'abuse, parce que j'ai un petit peu regardé dans les cellules, parce qu'il faut pas déconner. Normalement... Eh ouais. Il y a quelque chose par ici. Eh ouais, pas qu'un peu même. Ça, j'ai envie de dire, ça fait zizir. On va pouvoir aller acheter des trucs à Richard Virenque, c'est cool. Ok, c'est pas assez... Voilà. Ah, on est mieux. Donc, à mon avis, il faut quand même passer par la porte en bas, parce que je vois pas d'autres entrées, surtout, en fait. Ouais, c'est bon. Allez, hop, tu reviens. Ça fait combien? C'est 200 rubis, ça? Ou c'est 100 rubis? C'est 100 rubis. C'est quand même pas mal. Oh, putain! D'accord, il y a des sables mouvants. Super. C'est génial. Donc, j'imagine que c'est par là. Maître, regardez par ici. Oui. Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de chronolite sur ce socle, mais... La probabilité qu'il s'agisse d'une installation similaire à celle des mines de l'Anel est de 95%. Merci, Faith. J'ai mis l'hypothèse que les chronolites étaient utilisés ici comme source d'alimentation. Oui, effectivement, plutôt valide. Même moi, j'y aurais pensé. Intelligence supérieure de mes couilles. Apparemment, on n'a pas trop le choix. J'aime pas trop les petites pinces sur les côtés. Ça ne me dit rien qui vaille. Alors, le prochain truc qu'on aura, c'est l'arc, c'est ça? J'imagine. Un Zelda sans arc, c'est... C'est comme... un plateau sans fruits de mer, ou... Ah, alors oui, c'est vrai, alors. Il faut leur brûler leur mère. J'ai obtenu une queue des arts. L'extrémité de cette avalanche est équipée d'une dangereuse boule à pointe, un objet répugnant, mais qui peut servir. Je ne veux pas savoir à quoi. Eh ouais, TMTC, je fais n'importe quoi, ça marche. Ce jeu, mais alors... Voilà quoi. Le gameplay est tellement... Ok. Oh, vous savez qui me fait penser à Yamakichi dans Naruto?
C'est trop ça. Ou bien Matatsu, je ne sais plus. Ça pue. On est obligé de passer. Ah, on va dire ça passe. On va dire ça passe. Il est facile ce donjon pour l'instant. Je suis plutôt content. Alors. D'accord. Oh. Maître, regardez par ici. Oui. Oui, une chronolithe, j'avais remarqué. On a plus ceci. Un chronoglobe. Ah, c'est pour ça. Sa forme est différente de celle des chronolithes. Il est conçu pour être transporté. Ah, c'est comme un love cube. D'accord. J'ai comme l'impression que je vais me faire attaquer un peu. Non. Quoi là-bas? Oh! C'était donc le vrai passage. Fils de ta mère! Nous sommes des Spartiates! Ah! C'est bien, un petit peu de baston. Évidemment, je tape dedans, espèce de gros boulet! Double boulet! Mais non! Mais il n'était plus en garde! Mais il était plus en garde! Mais il... ah! Je déteste ce jeu! Ce jeu rend fou, les gens, ça rend fou. Heureusement qu'il y a des cœurs dans les tonneaux, quoi. Non, c'est déjà assez chiant que les mecs ils bloquent. Et si en plus quand ils te bloquent, ils te font des dégâts, c'est juste la merde! Ah oui, alors. Et maintenant que j'ai connu la technique, tu ne peux plus rien faire contre moi. Bah, cela dit, j'ai bien galéré avant de la connaître, la putain de technique. La putain de technique, sa mère. Ah, ça fait une blague et tout, genre de sa mère. J'ai pas fait exprès, hein, je suis désolé. Ah. Oh, mais c'est bien, vous avez obtenu la rubis argent, ça va l'air de 100 rubis extraordinaire. Et voilà qui doit vous faire choquer. Oui, ou plutôt chaud à la bourse. Ah bah ça y est, je suis full. La dernière fois, justement, je disais, putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu beaucoup de rubis. Bah ça y est, c'est fait. Oula. Alors, on va aller doucement. Ok. Ok. Ah ça, on va prendre. Ça fait de l'huile, là, c'est... J'ai obtenu une fleur ancienne. On dit qu'elle fleurissait bien longtemps avant notre ère. Délicatesse et mystérieuse. Elle... Non, délicate et mystérieuse. Elle brille dans l'obscurité et... Ah bon? Sérieux? C'est génial! On va faire le tour du bordel, ok... On va en reprendre une. Ok, ça m'a tout l'air d'une énigme à la con. Mais genre à la con, quoi. Genre bien casse-couille. Ah, mais on peut sauter... Merde, on peut sauter à côté. Non, mais on peut sauter avec, ça c'est plutôt cool. Je pensais qu'on... En fait, je me suis dit, tiens, ça tombe, on va devoir la lancer. Ah non, il faut... Il faut sauter avec. Oh, c'est plutôt... Là, c'est plutôt cohérent. C'est... J'aime bien. Un peu de plateforme, tout ça. Les sauts pas trop compliqués. Il faut admettre que le gameplay pour les sauts, c'est quand même moyen. Ici, y a rien. D'accord. Si je pose là, que je vais ici. D'accord. Je vais descendre dans la grille. D'accord, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Je pense. Je trouve
Dites dans les commentaires, hein, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est de la merde ou pas. Tu ne toucheras pas cet objet. Vous ne mangerez pas. D'accord, c'est plutôt pute. Dommage. Voilà. Alors donc, si j'ai bien compris, on peut pas y aller. En tout cas, pas comme ça. Ah, mais on peut l'acheter et tout. Allez, ça passe. Ouais, ça passe. J'espère que c'est pas des rubis. Oh, Neptunie, un corps de monstre fabriqué à partir d'une corne d'animal. Ce corps est d'une grande solidité et pourrait être utilisé comme matériau. Un peu comme ma... Non, tais-toi. Je t'ai... Tu te tais. S'il te plaît, tu fermes ta gueule. Pas de vulgarité, c'est un aspect familial. C'est Game of Thrones. Et pourquoi? Il y a un truc de caché? Non, il n'y a rien de caché. Oh putain! Effectivement, le fait de l'avoir amélioré, j'ai amélioré ou pas le... Je sais plus si j'ai amélioré en fait. Je me rappelle. Oh putain! Ah ouais, quand même! Eh ouais, si, bien t'as vu, DFTC. Ah putain, à chaque fois à droite, quoi. T'es mort, c'est bon. Non mais... Non mais... Et là, il casse le chronoglobe et tout, on est dans la merde, les mecs. Chronoglobs, chronolol. C'est faux. Ça pue le boss un peu quand même. J'ai plus beaucoup de cœur. Et si je fais ça, tu fais quoi? Ça t'es niqué là. Oh merde! Oui, laissez-moi tranquille, je... Laissez-moi tranquille, quoi. Franchement, laissez-moi tranquille. Voilà. En contre, c'était beau. Il est beau. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais YOLO! Voilà, meurs. Meurs dans le sable. T'es là un Goa'uld de renégat. C'est absolument pas ce que je raconte. Je sais pas pourquoi je sens ça. Du Mario en plus, je crois bien. Ah oui, c'est vrai, Link ne peut pas... En même temps, c'est logique, tu peux pas pousser un truc sur le côté. Ça demande vachement de force, en fait. Ah mais non, mais laisse-moi tranquille. D'accord, ok.
Donc c'est chiant. Parce que j'ai plus de cœur. J'en ai plus de 4, hein, c'est quand même moyen. Donc il faut lancer ça. Genre plutôt là. Hein. Ouais, ça me paraît bien. Hop. Comme ça, là, on va pouvoir passer tranquillou. Ah, mais j'ai pas marché sur la dalle. Je suis même pas sur la dalle. Ah, c'est parce que j'ai... Justement, j'ai enlevé mon pied que ça... Ah ouais, d'accord, mais à chaque fois, ça fait une cinématique, ça peut pas faire juste un bruit. Tu vois, les mecs. Simplicité. La 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 la. Quoi cette musique? Des cœurs, il me faut des cœurs, il me faut, donnez-moi des cœurs! Je veux des cœurs! Oh! Ah! Ah, madame, elle a fait! Oh la coquine! Elle m'a fait gloop gloop! Y'a rien! Y'a rien! Ok! Ici, il y a un truc. Là-bas. Là. Oh, Taras! Hé hey, hé hey. Voilà. Bon, déjà, je vais aller chercher. Oui, non, mais je sais qu'on peut, passer par là. J'ai tellement trop de rubis maintenant, c'est génial. Ce coup d'épée était magnifique, je veux des applaudissements dans les commentaires. Applaudissements à l'écrit, je m'en fous. Démerdez-vous. Oh, vous avez obtenu la matériel noir. Non, je déconne, un cristal magnifique. Il s'agit du cœur cristallisé d'un démon. Il est très rare dans les gélés un spécimen dans un si bon état de conservation. Cool. Alors, j'ai certainement coupé à la sauvage ce coup-ci, parce que je sais pas du tout où j'en suis au niveau de, du recording. Puis YOLO, voilà. Centre, voilà, merci. Des bombes, c'est bien, j'aime bien. Moi, j'aime les bombes. Ok, donc là c'est des boss casse-couilles, ils ont plusieurs visages et tout ça. Donc on va essayer d'en activer que un. Oh les pauvres, on leur fait tellement mal comme ça. J'aimerais pas être un robot dans Zelda. Quoi. Ouais. Je peux pas... Comment ça se fait? J'ai raté un truc. Il manque quelque chose ou pas? Parce que là, là je vois pas quoi. Faire ça, il y a peut-être un levier de... Ah, Taras! Peut-être un levier de l'autre côté. Ah ah ah! Alors, il commence à comprendre, truc, et pas si con, hein! Merci, ça me fait plaisir. Moi, je dis Ocarina of Time Master Quest. Hein. Voilà. Aïe!
Aïe. Facile. Toi, t'es toujours mort. Voilà, ça c'est facile. C'est facile, c'est tout. La maîtrise. Le mec est... Ouais, la maîtrise, ouais, c'est ça, t'as raison. Maîtrise rien du tout. Ouais. Ce nez est immense. Quand même. Ce nez est immense, j'ai envie de dire. Et à côté, Cyrano, c'est Michael Jackson. Ah, bah quand même. Moi, j'attendais un jingle comme ça, mais version métal. Genre YOLO. Maître fait rapport, l'énergie du chronoclave... De quoi? L'énergie du chronoclave a provoqué des changements dans notre environnement. Je vous recommande d'aller vous en assurer le... Oui, madame. Ça, on n'a pas trop le choix. Ok, bon bah, allons-y. Putain de porte. Ok. Ah oui, effectivement. Oh, pas mal. Y'a rien à voir là. Non, ça on y était peut-être... Ouais, si, si, y'a des ça. Y'a des ça, moi je veux des cœurs. Ah, puis des graines aussi, c'est bien. Donne-moi les cœurs. C'est ridicule. Link chasse au papillon, quoi. Accroche-toi! Putain, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là, en fait, et on se retrouvera dans le prochain épisode. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous aimeriez bien continuer, mais non, en fait. Voilà. Allez, salut à tous, bye.